Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Oréa. Donc voilà, alors petite vidéo avant que Ben et moi on se repose un peu parce qu'on donne beaucoup hein, et on offre beaucoup également parce que on est là pour ça. Et cette vidéo, elle est là pour vous dire accrochez-vous, accrochons-nous à rapport à ce qui va arriver dans la deuxième partie de l'année. Quand on dit accrochons-nous, ça n'est pas des énergies de peur, ce sont des énergies de choix, entends-je. Ce sont des énergies de choix dans lesquelles il n'est pas toujours facile de naviguer. La tempête est là, la tempête va s'accélérer pour cette fin de l'année. Et il sera important de bien avoir, alors il me montre des canaux de sauvetage, vous savez, des gilets de sauvetage, voilà. Il y aura des sauvetages de fait dans ce sens pour les personnes qui auront le courage, la volonté de trouver leur chemin et de faire des choix. Alors, il n'est pas facile parce que j'entends beaucoup ce qui se passe en ce moment, c'est j'arrête ou je continue. Même moi, je me suis posé cette question. Il y a énormément de canaux, de personnes qui sont dans la lumière, qui œuvrent pour la lumière, qui sont là pour vous accompagner et qui sont à se poser la question, est-ce qu'ils arrêtent ou qu'ils continuent? Parce qu'ils se font assaillir de jalousie, de méchanceté, de réflexion. Et cela, c'est ok parce que ça fait partie de l'évolution de chacun. Et pour cela, nous pardonnons tous à tous ceux et celles qui pourraient avoir de la jalousie, de la comparaison, du plagiat aussi pour certaines de nos vidéos et c'est ok aussi parce que il porte et chacun porte son énergie. Les choses vont s'accélérer encore. Alors oui, on vous allait dire ça fait longtemps qu'on dit ça s'accélère, mais rien que les énergies de la Terre sont à dépasser 3 millions d'unités bovis. Donc il faut suivre, il est important de suivre cela. Dans le fait de devoir d'un devoir de vous-même vis-à-vis de l'être intime, divin, que nous sommes tous, les créateurs que nous sommes. Alors, il y en a beaucoup qui vont faire des vidéos sur la peur. J'ai eu des personnes qui disent « oui, j'ai vu telle vidéo, ça annonce des choses pas belles et ça crée des peurs ». Il est important que vous restiez au-dessus de cela. Très important. Profitez de cet été pour pouvoir vous recentrer, vous ancrer, faire des choses dans la joie, vous retrouver en famille, vraiment couper même les réseaux. Je veux dire, aller voir de temps en temps peut-être, mais pas tout le temps, sur les portables, sur les ordinateurs, sur les écrans. On dit c'est votre écran à vous-même qu'il est important de se connecter. Et j'ai la même, on va dire, consigne. Après, on en fait ce qu'on veut. Pour ma part, avec Ben, oui, nous allons en fait tout simplement couper nos portables pendant une semaine. Donc voilà. Donc vraiment, c'est vraiment, bon, quand on dit couper nos portables, c'est en cas d'urgence, bien sûr, pour notre noyau, je veux dire la famille, des choses comme ça, ils peuvent toujours nous joindre d'une autre manière. Mais voilà, sachez-le, c'est important de profiter de ces vacances, de ces congés, de ce repos énergétique pour pouvoir vraiment vous recentrer en vous-même. Alors, vous allez beaucoup être en réflexion, il y en a beaucoup qui vont se poser des questions. Oui, est-ce que je continue la spiritualité? Est-ce que je continue mes efforts? Est-ce que je continue cette discipline? Est-ce que vous vous posez des tas de questions parce que tout ce qui se passe autour est confusant? Et c'est normal puisqu'on est en pleine confusion cognitive au niveau de l'hypnose cognitive d'humanité. Donc voilà. Tout simplement, je fais cette vidéo, j'aimerais vous dire plein de choses, mais je le dirai, on va dire, sur le canal privé, sur notre communauté, parce que nous n'aimons plus en fait que certaines personnes se servent à des fins positives ou négatives. Positives, il n'y a pas de problème, mais négatives de nos messages. Donc voilà, je dis ça pour, j'en parlerai plus à notre communauté sur le canal d'Oréa.ch où notre communauté grandit chaque jour et merci à tous ceux qui s'y abonnent, voilà, pour trouver des enseignements, des soins, des enseignements, je veux dire à foison, je veux dire à rapport à tout ce que vous avez besoin, surtout pour vous aider en ce moment, on va dire à pouvoir garder le cap, parce que on revient à ce bateau, on a fait une enquête hypnotique avec Ben cette semaine. Voilà. Et du coup, il en est ressorti qu'il y a une grande vague négative, vraiment comme un tsunami qui arrive.
Mais l'avant, c'était des vaguelettes. Là, c'est vraiment une grande vague noire. Mais cette grande vague noire, en fait, ce qui en est ressorti dans l'enquête, c'est que il y avait vraiment cette énergie noire n'était qu'illusion, était remplie de peur. Et il voyait, nous voyons, parce que je voyais la même chose que lui, parce qu'on a cette synchronicité, et on peut en effet synchroniser avec l'autre en hypnose, il faut le savoir. Et on voyait un bateau, il y avait un bateau, on était dessus, et en fait on traversait cela, mais après de l'autre côté, en fait il y avait la mer bleue, le soleil, en fait le nouveau monde tout simplement. Ce nouveau monde, il faut vous y préparer, et elle n'est qu'énergétique. Et on voyait justement, bah après cette vague, bah, il y avait beaucoup moins de bateaux. Et cette vague, elle est là, vraiment. Et on a vu jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Donc jusqu'au mois de mars l'année prochaine, qui sera une nouvelle année, puisque la nouvelle année 2025, on sera en année 9, donc on sera dans une année de terminaison, de fin de cycle. Et c'est pour ça qu'on fait le soin pour le 8-8-8, le 8 août, en live à 20h sur la chaîne. Donc je vous invite à vraiment venir nombreux, pour ceux qui en ont envie, bien sûr, parce qu'on force personne. Et donc voilà, pour pouvoir maintenir, il y aura des questions-réponses, il y aura des soins un petit peu différent d'habitude, et bien sûr, comme d'habitude, il y aura deux personnes qui seront prises, on va dire, dans le chat, pour pouvoir leur offrir un abonnement à l'année sur le canal Doréa, qui leur donnera accès aux énergies du mois, aux vidéos essentielles, aux vidéos sur les actualités, comment nous, en tant qu'observateurs, on voit les choses. Alors, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là simplement pour observer entre les énergies de ce qui se passe entre l'humanité, en tant que canaux, on est là pour ça, canaux plus, pour pouvoir observer un petit peu la marche des choses et si la ligne de temps qui se dessine est bonne ou s'il est important de pouvoir redresser un peu la barre en passant des messages, parce que c'est important de pouvoir vous contenir à l'intérieur de vous, mais aussi de pouvoir vous aider, accompagner, à comprendre en fait tout ce qui arrive en vous, mais aussi de garder le cap. Donc la confusion est là, elle va être de plus en plus. Voilà, hein, les énergies. Un petit peu, c'est la bataille édentielle, hein. J'avais fait là cette vidéo, donc sûr que bon, bah, le soleil il joue un peu à cache-cache, mais il y a justement des soins pour pouvoir vous permettre d'encoder si vous n'avez pas de soleil également sur le site dans les soins quantiques énergétiques. Donc profitez-en, vraiment les piocher dedans. Sinon, le 21 juillet, il y a donc un atelier sur Zoom. Et là, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez le copier-coller. Et là, à ce moment-là, ou aller directement sur le site. Et là, vous arriverez sur le canal Doréa. Vous allez dans les événements. Et là, pour pouvoir réserver votre place. Cet atelier est important. Pourquoi? Parce qu'on va voir les choses, en fait, voir et ressentir les choses et surtout se préparer à se connecter d'une autre façon. Les connexions ont changé puisque le paradigme a changé, les énergies ont changé, on évolue, donc tout évolue. Donc il y a des choses du passé qui ne fonctionnent plus spécifiquement. Donc ça, c'est important de pouvoir le savoir, donc vous donner les bons outils, parce que j'ai des personnes qui disent oui, mais j'ai beau m'ancrer, etc. Ils ont beau s'ancrer, etc. Mais ça va pas, ils sont fatigués, etc. Donc il va y avoir vraiment des outils. Donc on va parler de la sexualité sacrée, on va parler de l'union sacrée, mais on va parler aussi de la façon dont les gens voient les flammes jumelles, les unions sacrées, pour bien faire la différence. Parce que de nouveau, ce sont des petites cases où on met des choses et que ces petites cases sont enfermantes, sont limitantes. Elles font partie de ces croyances limitantes. Donc, on va aller regarder un petit peu tout ça le 21, un atelier qui va quand même durer toute l'après-midi, avec une pause bien sûr. Hein. Et puis, à côté de ça, simplement le seul message que je vous dirai aujourd'hui, c'est accrochez-vous. Accrochez-vous à ce que vous ressentez, accrochez-vous à votre intuition, accrochez-vous à ce que vous êtes, à vos valeurs, à votre positionnement, à le respect que vous avez vis-à-vis de vous-même, mais aussi de ce que vous imposez aux autres pour qu'ils vous respectent, parce que c'est important. S'il y a des énergies discordantes qui peuvent, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup on va dire, il y en a qui diront attaque énergétique, mais ce fait partie simplement de l'équilibre de la vie.
C'est-à-dire que c'est la loi de cause à effet. Si tout va bien pendant un moment, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose de moins bien qui va arriver parce que tout est équilibre. On ne peut pas vivre dans le monde des bisounours et que tout aille bien tous les jours. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais par contre, il est important justement de pouvoir garder cette sérénité, ce positionnement, cet ancrage, cet alignement en soi qui va permettre qu'on pourra, on sera en capacité de pouvoir prendre de la hauteur, devenir observateur, non acteur de la situation, qui va vous permettre de pouvoir garder le cap. Donc tout ça on va le voir donc le 21 juillet, d'accord. Puis il y a aussi comme on vous l'a dit plein de choses sur notre site dans la communauté que j'embrasse très fort. Je remercie Karine parce que Karine dit oui, j'espère que tu vas mettre mon écharpe. Alors voilà, je l'ai mise. Karine, je te fais plein de gros bisous. Voilà, c'est un cadeau de Karine, une de nos abonnés et aussi étudiante qui est venue faire la massothérapie module 1 ici. Et donc j'avais trouvé son écharpe magnifique et c'était quelqu'un qu'elle connaissait qui l'a fait. Voilà, donc je la remercie pour ce cadeau parce qu'elle me tient bien chaud, elle est douce en plus. Donc je t'embrasse très fort ma soeur, on se voit bientôt, on se téléphone, on se voit vite. Je t'embrasse fort. Donc voilà, plein. Je vous parlerai aussi de Geneviève aussi, qui fait des bijoux, qui m'a envoyé des bijoux et je la remercie, je lui fais un petit coucou là maintenant parce que je dois la rappeler, d'ailleurs je la rappellerai à l'automne si tu m'entends. Hein. Elle est créatrice de bijoux de verre soufflé et elle le fait vraiment, elle est connectée quand elle le fait. Et ce qui va y arriver, c'est extraordinairement beau, ça peut donner des anges, ça peut donner la Vierge Marie, je veux dire, c'est assez dingue. Donc elle a ce don et surtout, je suis en train d'entendre, il est très important que vous croyiez en vous. Parce que tout le monde ne fera pas la même chose, mais vous aurez votre patte, vous aurez votre patte de créativité, vous aurez votre signature à vous. Parce qu'on est tous une note de musique, on est tous une harmonie et on crée justement une symphonie dans l'univers. Alors, ce qui va y arriver dans la deuxième partie de l'année, c'est l'avenir en fait va dépendre de chacun et va aussi bien sûr découler du collectif. Mais il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre et ce nouveau monde est déjà en place. Il se met en place de plus en plus et il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre pour que chacun puisse passer ce portail, puisse passer cette porte justement pour se trouver au-delà. Alors ça va être un peu comme une autre terre énergétique, mais il se passe vraiment quelque chose et il y en a beaucoup qui le ressentent. On le ressent, on le vit. C'est palpable, c'est plus... c'est vraiment interne. Alors pour ceux qui vivent ça, on vient acter pour vous dire oui, c'est bien ça. Pour cela, l'avenir que chacun vivra à titre individuel sera celui qu'il se sera créé. Par l'intention, par la simple intention que vous avez, et c'est pour ça que j'ai pris le tarot des portes de l'intuition. Par l'intention et l'intuition, surtout suivez votre intuition, d'accord ? Et l'intention et par l'intuition, l'intention que vous aurez de créer, créera votre réalité. Parce que vous cherchez la vérité et la réalité à l'extérieur, mais la réalité c'est vous. Et ça, c'est vraiment à comprendre maintenant, plus que jamais. Pendant la deuxième partie, je ferai, je pense, des vidéos un peu plus souvent, voire peut-être deux par semaine. Pour pouvoir vraiment, courte bien sûr, et pour pouvoir vraiment vous accompagner. Et on fera des lives tous les 15 jours, voire peut-être plus, on verra, en fonction des besoins, de ce que vous avez besoin, pour pouvoir garder le cap, tous ensemble. Alors je vais tirer une petite carte que je ne vais pas faire, l'amour. L'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de la vérité. Restez sur vos positionnements, vos valeurs, mais aussi l'amour intrinsèquement en vous-même. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, vous pouvez choisir le numéro 1 ou le numéro 2. Là, on parle de l'amour, c'est pour le collectif. Numéro 1 ou numéro 2. Alors, je vais tirer la première carte. On me dit le choix. Vous voyez, on parlait du choix. En première 1, c'est le choix. C'est vraiment qu'il y a des choix à faire, c'est trouver la balance, l'équilibre, c'est souvenez-vous que la décision finale vous appartient toujours.
toujours, ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques, ni à une vidéo, ni à moi, ni à personne. Vous, nous, on est là quand on vous fait des enseignements ou des stages, on vous explique toujours, et ça, c'est appréciable par les gens, ils le disent, c'est que on ne vous oblige pas, on n'est pas des gourous, comme il y en a qui pourraient le comprendre, parce qu'un gourou, c'est celui, déjà, le mot gourou a été complètement déformé, parce que c'est celui qui montre la lumière, mais nous, on s'efforce de vous donner des outils de façon à ce que vous deveniez autonome. Autonome. Alors, il y en a qui vont prendre des rendez-vous et machin, et des rendez-vous et des rendez-vous pour faire des soins et des soins et des soins, parce que ça ne sert à rien, ça veut dire que vous ne travaillez aucunement sur vous. Alors que si vous prenez des outils, vous mettez vraiment à bosser, à faire des enseignements et à dire voilà, je commence à apprendre pour moi-même, pour me sentir bien, etc., alors je vais devenir autonome et me retrouver ma souveraineté. Donc le choix vous appartient, le choix vous appartient toujours. Donc ça c'est pour le groupe 1. Il y a des choix à faire, et la rentrée de toute manière sera bousculante si vous ne faites pas ces choix, on vous poussera à les faire. Donc, parce que là, le temps presse, parce que le temps presse qui n'existe plus, mais au niveau des énergies, ça va vous presser, ça va vous compresser. Vous allez le sentir et vous le sentez déjà. Parce qu'il y a des situations qui ne sont plus vivables. Donc, voilà, restez sur votre positionnement et surtout avec l'amour de vous-même. Le groupe 2. Alors, on pourrait épiloguer, justement, je ferai une vidéo. Pense à partir de l'automne. Ah, vous voyez, c'est drôle. Hein. Le groupe 2, c'est le but. Et là, j'entends le but, il est presque acquis, mais vous avez encore des peurs. Il y a encore des peurs en suspens. Donc, le but, c'est de choisir son but. Ça revient aussi à faire des choix en tant que, par l'amour de vous. Parce que l'amour est vraiment l'énergie première pour pouvoir devenir authentique à vous-même, dans vos valeurs, dans le respect de vous-même. Garde à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que il est possible de le créer, parce que tout est possible dans le champ des possibles. Je vous invite, parce que la semaine prochaine, je ne ferai pas de vidéo, je vous invite vraiment à aller regarder dans les anciennes vidéos, parce que c'est dommage que vous attendiez la vidéo toujours de la nouvelle semaine, mais vous n'allez pas revoir parce que vous oubliez. Vous n'allez pas revoir les enseignements. Et aussi, il y a le lien Odyssée, où il y a 260 vidéos, aussi sur le lien Odyssée qui se trouve en dessous. Parce que pendant 4 ans, je vous ai fait des vidéos. Malheureusement, la chaîne a été piratée, on était 88 000 abonnés. Il y a 260, il y a des vidéos intemporelles. Il y a également l'enseignement du Père. Message du Père Créateur, il est très important parce que ça va vous parler des 9 fruits de l'esprit. La bonté, tout ce qu'il est important de travailler en soi, parce que nous sommes l'arbre de vie. Nous sommes l'arbre de vie. L'arbre de vie n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de nous. Il représente tout notre système nerveux. On dit garder le cap. On parlait de but et de choix, c'est cela. La vague, on ne pourra pas la passer si on ne fait pas des choix. En corrélation avec nos désirs, nos envies, intrinsèquement à l'intérieur de nous. Parce que le revirement arrive. Alors ça, c'était, voilà, le revirement arrive. Alors il y a un revirement, mais il y a un triomphe aussi. Comment on va vivre le revirement? Parce que je dis nous, parce qu'on est tous concernés. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Gardez ça. J'aimerais que vous mettiez en screenshot et vous le regardiez tous les jours. Tous les jours. Le triomphe. Regardez ce qu'on est capable de faire. Regardez ce petit être-là, ce qu'il est capable de faire, rien qu'en énergie. Nous sommes capables de cela. Attendez à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ensemble, nous pouvons faire s'effondrer l'ancien paradis beaucoup plus vite. Pour aider aussi nos frères et sœurs. Voyez, regardez, il y a les rayons qui viennent d'arriver. C'est pas un hasard. Regardez, je viens de le voir. Ensemble. Vous voyez, il y a même papa qui est d'accord avec ça. Ça, si c'est pas un signe divin, moi, je ne lui connais pas. Voilà. La place
Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et la renaissance. Nous sommes un diamant but, nous sommes l'énergie cristal, nous sommes le Christ incarné, nous sommes une particule, une étincelle de lumière. Dites-vous dans la glace le matin, je suis l'étincelle de Dieu. La renaissance. Quand on a trouvé tout ça, la renaissance est là. C'est le moment de libérer votre noyau intérieur. Notre noyau intérieur, c'est notre cœur, c'est notre amour. C'est notre foi. Alors oui, accrochons-nous. Accrochons-nous. Et aucunement ne laissons quiconque nous dire ou faire croire le contraire. Parce que c'est notre persévérance, c'est notre intégrité, c'est notre amour et notre lumière qui fait qu'on est là devant vous, chaque jour. Parce que même si on ne fait pas de vidéo, on est là avec amour, avec intégrité. Et s'il y en a qui pensent le contraire, qu'ils passent leur chemin parce qu'ils ne sont pas prêts. Voilà. Je vous aime, je vous souhaite de belles vacances. Et nous, on se retrouvera le 21 juillet en privé sur Zoom pour l'atelier. Et puis, on se retrouvera la semaine, donc ça sera la vidéo, ça sera le vendredi 26, je crois. Donc le 26, on se retrouve sur YouTube. Alors peut-être que je vous ferai des petits screenshots, peut-être des petits shorts, j'en sais rien. Peut-être que vous allez manquer, je vous ferai un petit coucou, je sais pas. Donc on verra, mais en attendant, je préfère prévoir comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de rentrer dans mon fort intérieur aussi. Et de profiter aussi du beau temps. Voilà, on est d'accord. Et ça, c'est un beau rayon de fin. Je vous aime. Au revoir.